Moi, j'ai des musiciens qui ont les moyens. Moi, j'ai des musiciens qui ont les moyens. Oh, Bennett, il a pas mis de chaussettes. Elles sont où les danseuses? Ah, tiens, on va aller voir les filles qui s'échauffent sur scène. Tu veux passer devant? Quel accueil! Eh! Quel accueil! Oh non, quel accueil! Eh, mieux qu'hier! Allez, des trucs comme ça qui te trompent pas! On sait quand le public est bon! Je peux vous dire que vous êtes bien meilleur qu'hier! Sûr! Et ça, je le dis tous les soirs! Bien! Sur quoi il est assis, lui? Ah, mais vous ont mis un tabouret, vous, là! Bon, alors, regarde-moi ça, s'ils sont bien là, tous les quatre dans l'aquarium, là. Oh, mon pote, ils ont mis une brochette là-haut, là. Alors, il y a la baronne, la duchesse, la comtesse et puis la vicomtesse. Mesdames, il n'y a que des filles là-haut, ils n'avaient pas pris un casse-croûte avec vous, rien. Il n'y a pas un tracteur, il n'y a que des remorques. Eh ben, non, les yeux. Et là, ah ben là, on en a un, pourquoi, dis donc. Ben, il n'est pas à la rue, lui, hein. Bien, alors, deux, trois petites choses importantes avant qu'on commence le spectacle. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Oui, tout ça, vous allez vous emmerder un peu en bas, tu sais. Faites quelque chose après le dîner, non? Il n'y a pas moyen de... Je suis à deux doigts de conclure, là. Je crois que ça fait un moment que j'ai conclu, c'est ma femme. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, deux, trois petites choses avant de démarrer le spectacle. Qu'est-ce que je disais? Le grand monsieur, là, qu'est-ce que je viens de dire? Il est penché sur son casse-dalle, il est en train d'y parler à l'oreille, là. D'un air de dire, regarde, t'aurais pu tomber sur pire, regarde ça, là, hein. Bon, tout d'abord, s'il y a des gens qui, parmi vous, ne parlent pas le français, ils vont se faire chier 2 heures. Je dis pas ça en l'air, mais avant-hier soir, on en avait 8 au 3e rang, ils étaient là, ils me regardaient. Oh, à la mi-temps, il y a le gros, il s'est levé, il a fait un Amstag, un entraude, et il a fait un Amstag, un Preis, un Nickelchut. Allez, t'emmerde, allez, t'emmerde. Alors, on a un retardataire, là, il est chiant celui-là. Là. Tu connais le mec qui doit être à côté, là? Hein? Ça doit être toi à côté. Et alors, le mec qui devait utiliser la place, t'es chiant, hein, toi? C'est terrible, ça, les retardataires, ils se démerdent toujours pour être devant ou au milieu. Un retardataire qui est au 2e balcon, là-haut, dans le fond, derrière la colonne. Il arrive discrètement, dans le noir, focus, il tape dans les mains. Tout le monde croit qu'il est là depuis le début.
Comment il va faire pour arriver discrètement, lui? À côté de la caméra, en plus, on va le photographier, mon pote, il sera à TF1 tous les jours, lui. Oula! Mais le pire, vous voyez, c'est quand les retardataires sont le long de l'allée. Ça, c'est terrible. Quand il y a un retardataire qui est, par exemple, à votre place, vous voyez, généralement, avec le cul qu'on a, il arrive de l'autre côté. Et quand il y a une place, ils arrivent à deux. C'est le couple maudit, vous voyez, ça fait Roger Morissette. En général, ah mais non, mais je déconne pas, ça se passe comme ça, vous voyez, c'est... Excusez-nous, monsieur Lagaffe, on est en retard. C'est passé, grosse, elle n'arrivait pas à sortir de la voiture, alors... Bah... Viens là, toi. Regarde, tu nous fais remarquer, la saloperie. Bah. Oh, j'aurais mieux fait d'épouser ta mère, hein, pardon. Pardon, excusez-moi. Non, je dis les pieds. Non, retirez vos pieds. Ben laisse-les, t'as voir ce qui arrive derrière, bouge pas. Pardon. Ah, dis donc, on en a une belle, là. Dis donc, Morissette, regarde, il y en a une mieux que toi, là. Bougez pas, madame, bougez pas, on va y arriver, on a l'habitude avec ma femme, bougez pas, là. Là, Morissette, fais le tour, toi, fais le tour, t'as pas y arriver. Bougez pas. Là, voilà. Ah, assieds-toi. Ah, j'ai pas pissé. Ah non, mais ça, c'est un classique, on en a tous les soirs. Tous les soirs, on en a. Bon, vous avez fini de fouiller, vous, depuis tout à l'heure, elle est là, là. C'est pénible, franchement. Moi, je suis là, j'essaye de faire patienter le public pour que le retardataire arrive à peu près à la bourre, et l'autre, elle est là, elle fouille. Et vous en faites quoi, après? Il n'y a personne devant pour faire croire que c'est des pellicules, hein? Dites les ouvreuses, là, c'est-tu obligé de nous la mettre devant, là? La spéléologue, là? Va se barrer comme elle est, quand elle aura fait les deux, va attaquer le voisin, là, hein, ben. Alors, il y a le couple à côté qui... Elle n'est pas avec nous, alors... Ah, on est bien au premier rang. Du coup, la dame, elle est là. C'est bien le premier rang, hein? Est-ce qu'avant d'arriver, vous saviez que vous alliez être au premier rang? Elle le savait, et elle est venue quand même. Ah, ouais, t'en as, hein? T'en as comme ça, hein? C'est parce que j'ai dit que c'était ma femme que vous êtes arrivé à trois d'un coup, là. Bon, c'est vrai, les gens qui achètent les... C'est ici, ça se passe. Ah là, ah, elle est dissipée, celle-là, hein. C'est vrai, les gens qui prennent les places au premier rang, généralement, ils se disent, faut se mettre devant avec la gaffe. Parce que quand on est devant, il y a un contact physique. Et bien, vous allez comprendre le sens du mot physique dans deux plombes. Quand vous allez sortir en disant, on a été voir la gaffe. Eh ben putain, c'est physique son truc là. Oui, mais de Dieu. Bon. Il est bien ton caméscope à toi. Les mecs ont du pognon, hein. Les mecs, t'as la gueule des caméscopes qu'ils ont maintenant, moi ça là. Puis il a le droit de monter sur scène et tout, là. Là, ils font la gueule, hein. Parce que là, ils voulaient faire des photos et même pas. Et puis toi, t'es debout là, tu fais chier, hein. Si, si, il fait chier. Il y a un autre truc qui fait chier, c'est les retardataires qui se moquent totalement du bordel qu'ils infligent aux autres. Le type qui manque totalement d'éducation. Alors ça, c'est le truc que je supporte pas. Ça, c'est pas... Je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple. Mais tiens, vous voulez faire le retardataire chiant? Si vous voulez, levez-vous, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Reculez un peu dans l'allée, reculez dans l'allée, là. Allez-y, reculez, montez l'allée, allez-y, voilà. Voilà, allez, cassez-vous, donnez-moi la chaise. Bon. Alors, je vous refais un... Sans déconner, on est bien sur ces chaises-là. Bougez pas, je vous la rends. Hein. Bon, ben allez-y. Allez-y, faites-moi rire. Alors, on va faire un sketch. On va faire un sketch, ça s'appelle le sketch du retardataire chiant. Hein? Alors, vous vous prénommez Jean-Claude. Jean-Claude, mettez-vous dans la persona, mettez-vous dans la peau d'un personnage chiant. Vous êtes chiant. Ça va pas être difficile? Ah, je vois que vous êtes venu avec des amis, là, hein. Bon, alors, il va se dégager un peu, lui. Dégage-toi avec la caméra, puis on va prendre la dame blanche, là, pour partenaire, hein. Vous prénommez... Hein? Roger. Ah, il y en a, tu te demandes, hein, là-bas. Bon, Virginie, le type qui va venir vous déranger, c'est un mec chiant. Il est chiant, il est chiant. Il est... T'invente rien, Jean-Claude, hein, tout le monde est au courant. Je sais pas le bordel que vous avez dû mettre déjà, mais alors vous voyez, tout le monde est au courant.
Alors, le spectacle est commencé, vous avez trouvé une place, et Jean-Claude, cette place vous était normalement destinée. Alors, vous arrivez et vous vous arrêtez à hauteur de la place de Virginie. Allez-y, vous arrivez et vous vous arrêtez devant Virginie. Et là, oh, surprise! Quelqu'un vous a collé la place. Alors, le premier mouvement que vous faites, c'est l'air surpris. Oh, allez-y. J'ai pas dit l'air con, Jean-Claude, j'ai dit l'air surpris. Hein? Bon, allez, alors, élégamment, vous vous penchez sur l'oreille de Virginie et vous lui dites « Pardon, mademoiselle, vous vous êtes trompée. » Allez-y. J'ai pas dit d'y rouler une pelle tout de suite non plus. Attends un peu, là, parce qu'on la connaît pas bien, on sait pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Moteur. Alors vous, vous le calculez même pas. Vous êtes plongé dans le spectacle et sans même le regarder, vous répondez « Ta gueule, connard !» Virginie, c'est du théâtre. Ce soir, on a tous les droits, hein. Allez-y, allez-y. Elle a dit « Ta gueule, connard, s'il te plaît !» Jean-Claude, du fait que vous êtes outré, oh, ayez l'air outré, oh, problème de digestion un peu, là. Outré, vous rétorquez, comment elle cause de morue, et pause, il mettait un pain dans la gueule. Allez-y. Non, il va faire. Allez, on vous applaudit, bravo, tenez. Quel talent. Ah, quel bonheur. Bien. Eh, vous lâchez pas les mains brusquement, sinon prends le bas. Vous allez bouffer le bord du balcon, ça fait mal, c'est une horreur, ça. Hein? Ah non, non. On en avait une hier soir comme ça, pareil. Elle était là, elle me regardait. Amoureuse, sans doute. Oh, je l'ai regardée, elle s'est sentie gênée, elle a lâché les mains. Elle est sortie du théâtre, elle parlait comme Edith Piaf quand elle chantait cette chanson merveilleuse. Le monde entier, monde entier, monde entier, monde entier, monde entier. Garde quand même, hein. Bon, on va y aller. On a assez déconné, puis il est toujours pas là, lui, alors il se démerde. Allez, on va reprendre le spectacle depuis le début. On va reprendre le... On va même reprendre avant. Ressortez. Allez, le son, c'est OK. Les lumières, ça a été réglé. Le public, il est prêt. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Le chien et chat, c'est encore mieux de se coller. Hey! Pas besoin de visa si t'es déjà bien tamponné. Desserre ton bric-à-bras, viens t'embarquer chez les fêlés. Même si t'as les pieds plats, t'auras du fun à le danser. Le rap québécois, c'est du cachin qu'à déraper. Hey, tapez dans les mains, mais aussi tapez du pied. Mais pas sur le voisin, sinon ça va dégénérer. Et tapez dans les mains, mais aussi tapez du pied. Ça met de l'entrain. Mais comme chien et chat, c'est encore mieux de se coller. Quand les oiseaux sont là, c'est qu'il y a des fleurs à butiner. Et des chats angora qui n'ont pas peur de se mouiller. Des bisous sur le bec, on a du fun à se donner. T'as plus un poil de sec quand les mamans t'ont chaviré. Y'a le feu dans les bois, heureusement y'a les pompiers. Y'a danger des petits gars s'aventurer décapotés. Ça fait monter l'adrénaline. Si ça devient coquin, c'est que les filles sont libertines. Allez, mettez les mains où vous voulez, c'est les coquines. Picotine dans les reins, y'a des lutins qui se mutinent. Allez, go les nanas. Allez, go les petits gars, c'est du rap en vitamine. Ça fait tourner la turbine. 1, 2, 3, 4. Y'a
boîte à cachets. Bien du rap dans la boîte à cachets. Adi, do, di, li, do, di, do, di, m'dame. Ça vous emmerde pas que le public il finisse de m'applaudir avant d'attaquer autre chose? Le public il est là, c'est le premier morceau, il est chaud, il me fait un rappel. Forcément tu t'en fous des rappels toi, le dernier que t'as eu c'est le BCG alors. Et... tu crois que les mecs ils ont payé 180 balles la place pour écouter du rock? Ouais. Foutez pas la merde hein. Vous aimez le rock and roll? Vous voulez du rock and roll? Ouais! Bah, t'es pas dans la merde. C'est malin, hein, t'es connerie. Avance un peu, tiens, on va rire. Johnny! Oui, fusille un peu avec Johnny, fusille un peu père. Quand tu vois le temps qu'il fait, Johnny, il sort pas, hein. Alors, il ouvre la fenêtre, il voit qu'il pleut, il fait ah, ouais. C'est toi qui nous l'a présenté? Ouais, le guitariste. Approche aussi. Il n'y a pas de raison qu'il soit dans la merde tout seul. Avance, avance. Je vais te montrer, moi, t'as voir. Vas-y, fous-moi le truc dans la gueule, toi, t'as envie de copains tous les deux, hein. T'aimes bien la guitare, hein? Eh ben non, je ne dirai pas. Voilà, alors vous avez devant vous deux rockeurs. Fait. Une rockeuse et un rocker. Bon, écoutez les filles, vous avez quand même, vous avez deux minutes pour montrer ce dont vous êtes capable. Vous avez le public, vous avez les lumières, vous avez le son. On a chauffé la salle. Démerdez-vous. Parce que si vous voulez, deux heures pour un concert, ça va faire long, ça, hein, ça va... Là, vous avez déchaîné la foule, hein. Les femmes s'évanouissent, les mecs sont debout, ils gueulent une autre, c'est un concert Asta. Asta, à se taper le cul par terre. Il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est qu'il ne suffit pas d'arriver avec une guitare et d'entamer trois octaves. Ce qu'il faut, c'est que le public ait confiance en vous. Il faut lui donner au public. Oui, on va donner, lui, regarde les filles quand on dit ça, hein, salaud. Je t'explique. Le public, il vient de passer une journée au boulot avec des petits chefs de... Oui, de merde. Alors, ils ont dit que d'une chose, c'est qu'on les distrait, qu'on leur ouvre le cœur, qu'on leur donne un peu de bonheur. Regarde. Regarde. Alors, regarde. Ça part tout seul, là. Le public, il demande qu'à ça, il veut vivre. J'ai pas fait de solfège, moi, regarde. Et hop, là, on a le rythme, là.
J'ai pas été premier prix du conservatoire de Chartres, moi, monsieur. Et pourtant, je fais la musique qui chante. Sans seul sur scène, je parle. Et les filles? Sont contentes, là, regardez-moi avec le chiffon, là. Hein? Oh, elles savent qu'on parle d'elles, là. Hein? Elles sont contentes, les poupouignes, hein? Mais elles sont mimi. Elles sont contentes d'être avec Tata Lagaffe. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Il y a un moelleau de la souffleur en entonnoir, là. Oui, on dit, attends, je vais m'occuper de toi après, toi. Hein. Mais là, vous voyez pas que le public, il est là, il demande qu'à vivre, et là, vous êtes là, je sais ce que c'est ça. Et elle vient de là! Ah ouais, il y a une ambiance, hein? Il faut faire avec le caractère de chacun pourtant, hein? Ah, moi, l'autre là-haut, là. Celui qui fait mine de rien, là. Vous avez devant vous le premier clavier peut-être, je sais pas. Je l'ai dit, maintenant tout le monde le sait, mais enfin, vous avez devant vous le premier clavier synthétiseur obsédé sexuel! D'ailleurs, c'est pas un musicien, c'est une érection permanente. Ah ouais, non, mais là, on n'imagine pas. Là, quand tu les prends indépendamment les uns des autres, c'est l'enfer. Lui, là, tout petit, il a dû avoir un accident de vélo. Je sais pas, ils l'ont trépané, ils ont levé un bout du cerveau, ils ont dû y greffer une testicule à la place. C'est pas possible. Quand il regarde son clavier, il voit pas des touches, il voit des femmes, il voit des blanches, il voit des noires, il voit des blanches, il voit des noirs. C'est pas une partition, c'est une partouze. L'autre jour, on me regarde pas comme ça, hein. L'autre jour, on était sur le quai du port à Toulon, en train de boire l'apéritif, parce qu'alors autant ils sont mauvais musiciens qu'à l'apéro, ils ont le BAP, hein. Le brevet d'aptitude au pastaga, hein, putain. Et alors, il y a lui, là, l'obsédé sexuel, il vient me voir, il me dit, oh, ben ça,
Et si on allait voir les petites patates tahitiennes? Ah ouais, nous on dit petites patates tahitiennes parce qu'en réalité ça veut dire péripatéticienne. Mais nous on dit patates. Vas-y, fais la photo. Voilà. Alors, le mec il dit. Le mec, parce que nous on dit patates tahitiennes pour péripatéticienne. C'est un code, comme ça les gens ne comprennent pas, mais nous on comprend. Comprenez? Dans une vie antérieure, vous deviez être chien en plastique derrière une voiture de Portugais, vous. Et quand on freine, il a les yeux qui s'allument. Non, vous déconnez, là, quand même. Là, alors, il y a un autre, là, il arrive comme ça, il me dit, on fait ça, on va voir les filles. J'ai fait, on va voir les filles. Alors, il va voir une gosesse. Putain, comme elle était belle, la gosesse. Elle était belle, putain, comme elle était belle, la gosesse. Putain, comme elle était belle, putain, comme elle était belle. Oh, elle était belle comme une Golf GTI qui sort du garage. Oh, putain. Hein. Oh, puis la gosesse, elle avait monté l'airbag, hein, conducteur, passager, les deux, hein. Oh la gosesse, elle avait mis une mini-jupe, putain qu'on aurait cru la ceinture de sécurité, enfin là. Voilà. Alors il va voir la fille, et la fille elle le laisse approcher. Je sais pas comment il fait avec le physique qu'il a, en attendant il a un succès avec les filles. Oh, nous on l'appelle Flytox. Les filles, elles tombent comme une mouche. C'est pas qu'il est beau, c'est surtout il pue de la gueule, c'est l'enfer. Alors il arrive là. Quoi, j'invente? Où j'invente? J'invente rien, hein. C'est comme les moumoutes, tu passes tout ton pognon à t'attacher des moumoutes. Alors, voilà. La dernière qui s'est achetée, on dirait un poireau qui a pété à la gueule. Alors, voilà. Et encore, on s'en sort bien. Hier, il est venu avec une blonde, le perruque blonde, c'est des gorilles, il a mis la couette devant, putain, c'est une horreur. Alors, il arrive comme ça, la gonzesse, il va la voir, il lui fait. Oh, ma belle, ma toute belle, ma Nina, toi, Magali, viens voir. Ça te dirait qu'on fasse la même chose que les filles elles me font à Marseille, hein? Tu me ferais la même chose que les filles elles me font à Marseille? On dit, fais-moi la même chose, fais-moi la même chose. Qu'est-ce qu'elles te font à Marseille? Ah, à Marseille, elles me font crédit. Oh, tu aurais vu la tronche à la gosse, oh putain, quoi. Tu aurais vu surtout la tronche aux quatre mecs qui sont sortis de la Mercedes derrière. Ouh, j'ai dit, allez, on boit l'apéro, ça va. Ah, puis alors, il y a lui aussi, là, celui qui dit qu'il est de Marseille, le bassiste. Il dit qu'il est de Marseille. Il est des baumettes. Bon, nuance. Parce que monsieur, avant d'être musicien, il vendait de la drogue. Il vendait de la drogue. Ouh, voilà. Dealer. Ouais. Alors, remarquez, il s'est rattrapé, hein. Ah non, il mène une vie de famille, maintenant avec sa femme, il vient d'avoir un petit garçon. Mon Dieu, l'innocence, la pureté d'un enfant, il est beau cet enfant, il est beau. Enfin, il le trouve beau. Moi, je ne l'ai pas trouvé du tout au début, il n'y a qu'à voir, hein. Non, il est beau, non, il y a un problème, c'est que le minot, il est né sans oreille. Ah, pour un fils de musicien, ça la fout mal, hein. En plus, il l'appelait Louis. Oh, le gamin, tu lui rases la tête, tu lui laisses pousser le nez, on dirait un dauphin. Hein. Alors, on a été présenter nos respects à sa femme, à la maternité, et pour ne pas la fatiguer, on avait espacé nos visites d'heure en heure. Le premier, il arrive à 10h le matin, à la maternité. Alors, Madame Banette, comment ça s'est passé? Bien? Où il est? C'est ça, là? Mon Dieu, quelle cacahuète! Putain, quoi! Il est Oh! Oh, il en manque un bout! Oh, vous n'avez pas pris toutes les options ou quoi, là? Et alors l'autre, il t'explique que c'est le bon Dieu, que des fois il en donne à un, pas à l'autre, et tout team, patin, couffé, le con de manop, et tout. Voilà, le deuxième, il arrive à 11h. Alors, où il est, il est là, putain, il est beau, mon Dieu, il est beau, il est... Oh, il en quitte, t'as pas fini de le monter ou quoi, là? Oh, l'autre à midi, là, ouais. Moi, j'arrive à 8h le soir. Alors, où il est mon filleul? Où il est là, viens me voir, enfant du bon Dieu, viens voir tonton la gaffe. Oh, Iti, qu'est-ce que passe là, putain, ils auraient pu te finir, oh. Oh, dis-moi, il a une bonne vue? Il me dit pourquoi? J'ai dit parce que s'il doit porter des lunettes, il est pas dans la merde, lui, hein. Oh, putain, qu'on arrive, on arrive. Alors, attends qu'on y est, je te fais le tour des collègues, là.
Alors, il y a le petit au milieu, là, celui qui a le truc qui pendouille sur le côté, là, là-bas. L'accordéoniste, là. Nous, on l'appelle l'intelligent. C'est l'intelligent. Hier soir, il est monté sur scène, il avait un coup dans le nez, sans y dire, dans la loge, on y a fait une blague, on y a remplacé l'accordéon par un radiateur. Tu aurais vu la tronche qu'il faisait. Oh, ils m'ont piqué les boutons, oh, ils m'ont piqué les boutons. Un jour, on était en pleine répétition, c'était au mois de janvier, on était le 8, 9 ou 10 janvier, je ne sais plus. Et il me téléphone, il me dit, écoute Vincent, je serai en retard demain parce que comme la semaine prochaine je pars en voyage, il faut que j'aille chez le docteur. J'ai fait, va chez le docteur. Il arrive chez le docteur, il fait, bonjour docteur, je viens pour me faire stériliser. Je vous demande pardon. Il dit, oui docteur, je viens pour me faire stériliser. Il dit, vous savez que quand c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Une fois que c'est pour la vie. Hein. Écoutez docteur, si on pouvait faire vite parce que j'ai eu travail, installez-vous, le mec il s'installe, loulou, le docteur. Il arrive ici, fier comme Artaban, et voilà, ça y est, j'ai été stérilisé. Tu voulais pas te faire vacciner? Vacciner, putain, c'est le mot que je cherchais, enfin. Loulou, l'intelligent. Et puis alors après, à côté, là, le vieux monsieur. Quoi, dites pas au sans savoir, moi je vous dis, c'est vieux monsieur. C'est mon père. Oh, plaignez pas, hein, pour le prix d'un, vous avez les deux ce soir. Et voilà, Père Lagaffe. On l'a pris avec nous sur scène parce que ma mère, elle en veut plus à la maison. Ah ouais, ouais, elle a dit, oh, putain, prends-le, ah, ouf, tu as le corps. Et il est malheureux, là, il est malheureux, il croit que personne ne l'aime. Faut dire que personne ne l'aime non plus. Hein. Il est tellement malheureux que la semaine dernière, il est arrivé sur scène, il tenait une porte à la main. Une porte, comment ça, il tenait la porte, il arrivait à la porte. J'ai fait, oh papa, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, hey, c'est une porte. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec la porte? Il me dit, parce que hier j'ai perdu les clés, je t'ai emmerdé pour ouvrir la porte, alors ce soir. Alors ce soir quoi? Il me dit, alors ce soir, si je perds les clés, je m'en fous, parce que j'ai la porte. Et si tu perds la porte, ah, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Aïe, aïe, aïe. Et puis alors, pour finir, derrière, là-bas, il y a le batteur. Ah oui, forcément, vous le voyez mal, parce que ton sur ton, ça se confond là-bas. Mais il y a un mec là-bas, pour de bon, hein. Vous voyez le chiffon? Eh bien, dessous, il y a un mec. Non, c'est pas un gadget électronique, c'est un mec. Oh, c'est un humain, oh! Souris! Voilà! Vous voyez? C'est pas de la craie, hein, c'est les dents, hein. Martial Marzouko, il est togolais. Il parle pas un mot de français. Tu lui dis n'importe quoi, il te répond, oui, patron. Hein, imbécile? Et voilà! C'est bon d'être le chef. Martial, avant d'être batteur, il a été pilote d'essai de moto togolaise. Oui, enfin, il a essayé de piloter, hein, parce que quand tu vois la gueule des motos togolaises, que je devrais dire la gueule de la moto togolaise, ils en ont fait qu'une, hein, ils ont bien fait d'arrêter. Hein. Ces motos, elle est à peu près grande comme ça, elle est haute comme ça, et c'est le guidon qui est intéressant. Il y a deux tiges, et quand tu tournes l'accélérateur, ça fait... Alors, ça consomme rien, hein, mais alors putain, ça échappe, au secours, hein. Alors, il monte sur la moto, comme ça. Ah ouais, c'est moto de course, hein, c'est aérodynamique, c'est profilé. Ah oui, ça, là-bas, forcément, il y en a qui font la gueule, hein, ça. Vous avez qu'à choisir vos places, hein, oh, hein. Alors, je vais pas tourner le dos à la spéléologue, là. Elle a sorti la petite lampe là, faisons face à l'adversité. Allez, pas peur. Voilà. Alors, monte sur la moto. Je préfère vous avoir de face. Hein. Oui, bah alors derrière, maintenant, se tait. Hein. Regardez-moi les quatre excités là-haut. Oh, nous aussi. Allez, monte sur la moto comme ça. Et vous savez comme ils sont. L'autre qui fait les photos, il n'en peut plus là-bas. Hein. Alors, vous savez comme ils sont, ces gens-là. Hein. Ils sont grisés par tout ce qui va vite. Alors, ils roulent sans casque au Togo. Hein. À là-bas, oui, ils roulent sans casque. Hein. Tu me diras, pour manger un réverbère au milieu du désert, faut te lever de bonne heure, hein, là-bas. Pip, 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 pip. À 200 km/h, il lève la tête pour voir si vraiment il va vite. Il va vite, il est content, il sourit. La lèvre supérieure se met à trembler, il ouvre la bouche, ça fait appel d'air, elle se retourne, là, il n'y voit plus rien. Mais le pire, c'est dans ces circonstances-là qu'il a rencontré Alain, le guitariste,
1m78, 34 kg, 8 de tension, une brute. Et encore, on s'en sort bien. Hein. Heureusement qu'il joue pas comme il parle. Hein. Il revient de loin. Parce qu'un jour, il y a Marcel, il arrive avec la moto dans la cité. Bim, 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 bim. Alain, Alain, descends, je t'emmène faire un tour. L'autre à la fenêtre. Moto. À ma compta, à compta. Alors il descend. Il descend, il vient le voir, il lui dit. L'autre, oui, oui, il y a un klaxon, tu pourras jouer, viens. Bim, 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 bim. L'autre derrière, moto. 200 km/h, l'autre, il lève la tête. Ah, voilà. Le virage. Bim. Lui, il est petit, il s'en fout. Il a roulé boulé. Mais l'autre là, Delta Plane. Huit jours de coma. Pris de convulsion, il essayait de parler dans son inconscient. On comprenait rien à ce qu'il disait. Il était là, il faisait. Le premier mot qu'il a dit en sortant du coma, ça a été. Freine! Et il y a Monsieur Edouard qui derrière.
c'est à cause de mes parents. Ça me trouble. Ça me trouble. Papa, ça plaît pas si on. Dans la vie, je remets de l'ordre dans la boîte à ouvrage. Il y a bien souvent dans la vie des personnes qui ont gravé votre mémoire, certainement parce qu'ils ont fait quelque chose que vous auriez aimé faire. Et moi, ce métier, je le dois en grande partie à monsieur Fernand Reynaud, et j'aimerais, pour lui rendre hommage, interpréter le sketch qui m'a donné envie de monter sur scène avec mon ami Bob au piano. Voici le Noctambule.
Ça a commencé comme mon docteur, il m'a dit, la gaffe, pour aller vous oskigéner les pompons, les poumons. Alors j'ai décidé d'aller saper mes cabosses à la montagne, à la campagne, mes vacances, moi. Eh ben, figurez-vous, je suis tombé à four au bout d'une bergère. Au bout d'une bergère, pendant mes vacances. Un jour, en me promenant au détour d'un mochin creux, d'un crochin meux, d'une petite route pas goudronnée, je suis tombé fesse à fesse avec ma berbère. Avec ma bergère. Il y avait une rivière qui coulait. Ce jour-là, elle était assise là, au bord d'elle. Bord de l'eau! Elle se lavait les pieds! Moi, j'avais tout préparé. J'avais amené un paquet de braguettes, un bouquet de pâquerettes, parce que je m'étais dit, moi, la gaffe, plus au cul des hésitations, il faut tremper ton bout. Il faut tremper ton cou! Alors, j'arrive, je m'arrête à 20 mètres d'elle, je la regarde dans les yeux, et je dis, caca, c'est mou. Coucou, c'est moi. Elle a pris les pleurs, puis j'ai tout déballé, hein, tout. J'ai dit, je vous aime, vous avez la couche en beurre et la moelle aux fesses, mais je suis mou de vous. Oui. Alors, elle a pris les fleurs,
La pauvre, elle avait les seins mâles à cause de son merdier. À cause de son métier. Alors, elle m'a regardé, puis elle m'a rionné en disant, vous n'auriez pas un petit problème? J'ai dit oui, je louche. Oui, oh, ça se voit que quand je parle. Hein. Y'en a, il brille dans la conversation, et ben moi, je clignote. Et ben, du bout, du genou, du cou, on a failli se riamer, se farier, se marier. Et juste avant le fariage, l'accouplement, on avait sébidé, décifé, fessidé, mais bidit aussi Didi, avec ma sœur Basile, ma mancier, sa fille, mon casse-croûte, ma grossesse, la grosse armorque. Et puis ma belle-fère, ma felle-mère, la pince coupante, la vieille, la belle-mère. On s'était dit, on va aller faire un tour au jardin Bibluc, au marfait Fibluc, au non, au square. Oh non, on arrive au soir. Des vrais, ça fume. On arrive au soir, tous les trois, moi, la vieille et l'autre, on est allé s'assurer. On a posé le cul sur un banc. Quand putaku, motapu, futamu, motapu, motapu, brusquement, il y a un bien, un chien, il est venu s'asseoir devant nous dans l'allée, et il s'est mis à se dégrader à Rio avec la topa de fierté. Comment est-ce que vous le portez ? Alors, moi, pour Deneco, pour Kenedo, pour faire le con, parce que dès que je peux faire l'amour, dans l'humour ! Je dis à la belle-fère, au fossile, vous connaissez? J'ai dit à la chose, en regardant le chien, j'ai dit pour plaisanter, hé, hey, belle maman, mamie, vous êtes pas foutu d'en faire autant. Oh, qu'est-ce que j'avais pas dit là, dis donc. Le temps que j'y dise tout ça, ce con-là, il se reniflait derrière. La bête d'Oge, visquée. Imagine, 83 ans. Elle me dit, la gaffe, mon petit, avant d'épouser ma fifi, vous allez consulter un docteur. J'arrive chez un charlatan. Il m'a filé des suto-pissoirs, des petites torpilles. Et il m'a dit, il m'a dit, la gaffe, vous mettez ça dans les... Sortez. Dans les 24 heures. Alors moi, j'ai dit au docteur, il n'y a pas une autre solution, parce que... Je la sens pas. Il m'a dit, la gaffe, il y a une solution beaucoup plus simple. Exprimez-vous en chantant. Vous voulez dire que pour parler, je me mets à faire la 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 la? Vous croyez? Yé, yé, yé? Vous croyez, yé, 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 wow, 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 je sens que ça va mieux, mais je vais vous payer. Et voici le billet, regardez la fenêtre, la fibre. Je sors dans la rue, je ne bégayais plus. J'arrive au coin de la cul, au coin de la pue, au coin de la cul, au coin de dans mon quartier. On peut, on deux, on que, hein?
Eh bien, dites-le. Le téléphone, le téléphone, le bordel dans la cabine. Il y a qu'un remarqué, lui, il est occupé, il s'en fout, il fouille, alors il a autre chose à foutre. Allô? Il y en a qu'un appel à capamanana. Quoi, ta gueule? Allô? Les sapiens pompeurs? Les pépons sapiens? Allô? Les pompiers? J'ai la maison qui brûle. Et les pompiers m'ont répondu, ouais, ouais, ici, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Quel bonheur d'avoir un public qui sait conserver les traditions de la grande et pure chanson française. Merci, merci de la qualité de vos applaudissements, merci. Je ne puis rester insensible devant un tel semi-succès. Merci, merci.
Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui. Parce que les chansons, quand on les chante, bon, c'est bien, on déconne, on chante, tout ça, machin, patin, coup, c'est bien. Mais les chansons, avant de chanter, il faut les écrire. Bon, la Zoubida à écrire, c'est rien, c'est un pss sur une toile cirée. Mais il y a des chansons qui ont été vraiment dures à écrire. Prenez par exemple le tout premier titre que j'ai fait, le premier, la première... Le balabo, l'hymne des plombiers. Eh bien, les gens ne se rendent pas compte du temps et de la galère que ça a été à écrire un truc pareil. Si on met le temps bout à bout qu'on a passé, qu'on a consacré à cette chanson, on a mis, honnêtement, on a mis entre 8 et 10 minutes. Hein? Ah oui, on a honte, hein? On a honte à ça. Mais on est neuf, hein? C'est du boulot, hein? Mais le premier problème qu'on a rencontré, ça a été le producteur. Il y a toujours un producteur qui vient vous voir quand tout est fini et qui vous dit « Écoute, petit, si un jour tu décides de rentrer dans ce milieu très fermé qu'est la variété française, il faudra tout d'abord que le public puisse lire sur les traits de ton visage angoissé le désespoir du message que tu veux lui faire passer. Message, maison. Puis alors après, il y a un autre problème qui se pose, c'est le look. Parce que maintenant, pour être chanteur, il faut un look. C'est même devenu tellement important que maintenant, il faut le disque et puis après, il trouve le chanteur. Moi, j'ai une copine dans la chanson qui a un look d'enfer, tout le monde s'en souvient, je vous parle de Désirless. Vous vous souvenez de Désirless? Souvenez de Désirless! Tout le monde a encore en mémoire ce tube qu'elle avait fait il y a 3-4 ans, ça faisait « Voyage, voyage !» Elle toujours pas rentrée, hein. Avec les cheveux sur la tête, « Oui, à le matin, pour se coiffer, elle met un col roulé, puis elle pète. Eh, j'ai essayé. T'aurais vu la gueule du résultat? Ce matin, un lapin a niqué ma sœur. Eh, notez qu'on peut pas parler de look sans parler de Michael Jackson, quoi, c'est vrai. Ben voilà un garçon, c'est même plus s'il est noir, s'il est blanc, si ça doit être un petit gris. Ah, puis plus ça va, plus il est gris clair celui-là. C'est un mec qui s'est tellement fait opérer pour avoir le look qu'il a que sur scène pour chanter, il est obligé de se tenir la biroute. Ah, mais des fois qu'elle tombe, oh, je vois une deuxième dame, une dame au deuxième rang qui est là. Vous imaginez la gueule des spectateurs en plein concert? Yeah! Yeah! Et la gueule des musiciens? Et imaginez le bassiste qui est à côté de lui. I've got to beat it, beat it. I've got to beat it, beat it. I've got to beat it, beat it. Faites un petit effort d'imagination et d'un coup, on est transporté. On n'est plus au Théâtre de Paris, on n'est plus à Paris, on n'est même plus en France, on est à Central Park. On n'est plus 1000, on est 100 000 et on assiste au concert de Michael Jackson. Ah. Ah là, pour 100 000, on a l'air con, hein, quand même. Non, moi, je m'attendais à ce que tout le monde se mette à hurler. Remarquez, c'est aussi bien parce que j'ai pris que les femmes qui se mettent à hurler. C'est parce que généralement, quand il y a les mecs, c'est... Enfin, je dis les femmes, ça veut dire les filles, les femmes, les dames, le beau sexe. Hein. Messieurs, couchez. Mesdames, imaginez que vous soyez 100 000 réunis à Central Park et vous assistez au concert de Michael Jackson. J'ai pas dit que les vierges. Bon, écoutez, messieurs, sans aucun machisme, j'aimerais montrer à ces femmes, à ces dames, ce dont on est capable. Alors, messieurs, imaginez qu'on soit 100 000 mâles réunis à Central Park. Et on assiste au concert de Michael Jackson. Ouais. On n'est pas des pédés. Et remarquez, je fais le malin, mais samedi soir, j'ai rigolé moins. Hein. Oh, il y a un mec qui m'attend à la sortie des artistes. Moi, j'arrive, comme d'habitude. Bonsoir. C'est pour un autographe?
Non, c'est pour mon poing sur ta gueule. Comment réagir? Mais non, le prenez pas mal, c'est de l'humour, j'y tiens. Alors vas-y, allez, vas-y, vas-y, tape, allez, allez. Arrête de bouger! Bon, alors, vous connaissez Jackson, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, c'est toujours plein d'effets spéciaux. Imaginez que d'un coup sur scène, il y ait de la fumée. Murzo, à côté du bouton rouge, il y a un bouton fumé. Pardon ? Ils ont fumé le bouton. Ça va pas les mecs, on bosse avec nous. Oh, tu les imagines avant le spectacle sur la console, là tiens, on va fumer celui-là, là. Yeah. Ah, on va fumer l'ascenseur. Bon, le public, vous allez faire la fumée, hein. Fumez pas les fauteuils, hein, déconnez pas. Attendez, attendez, sinon on va plus se voir. Attendez, à mon signal. Bon, vous aussi faites de la fumée, hein, les enfants. Attention. Imaginez que sur scène, il y ait de la fumée. Eh, t'es dégueulasse, papa. Ben, je dis la fumée, tu fais la neige. Il y a des tombes. Et au milieu des tombes arrive Michael Jackson. On a un message et un look, on a un vrai chanteur, parce que généralement dans une chanson, ce qu'on écoute en premier, ce sont les tesques. Hein? Les tesques, c'est important, les tesques. Une chanson sans tesques, c'est chiant. Hein? Hein, c'est chiant, une chanson sans tesques. Si, c'est chiant, une chanson sans tesques. Tiens, prenez par exemple, comment ça s'appelle Bon, comment s'appelle la lettre à Élise? Bon, comment il s'appelle le pianiste? Rachid Doberman. Ça va faire 15 ans qu'il nous la tape, la lettre à Élise. Il ne pouvait pas y téléphoner à ce pétasse, non? Oh! Merci, Bob. Fallot, Bob. Mais c'est vrai, moi j'aimerais, vous avez remarqué les chanteurs, et puis alors je vais vous dire, hein, hey, parfois si dans les chansons il n'y avait pas les paroles, croyez-moi bien souvent ce ne serait que mieux. Car je ne sais pas si parmi vous il y en a compris le temps d'écouter en intégralité les paroles d'une chanson à la mode. Mon Dieu, mais que les chansons actuelles sont devenues tristes, les chansons sont tristes, et les chanteurs aussi. Tous, hein, que ce soit Patrick Voisy, Drôle Bruel, tout ça, ils sont tristes. Je ne moque pas, ils ont beaucoup de talent, mais il n'empêche qu'ils sont tristes. Dans la voiture, en arrivant, on écoutait la cassette de Bruel, celle qu'il a rendue si célèbre avec ce titre mémorable qui fait « J'ai vu une terre qui bouge, des enfants qu'on bouscule, vas-y, pars devant, cours si je t'attrape !» Thank you.
quand tu bouges les enfants qu'on bouscule. Vas-y, pars devant, cours si je t'attrape. C'est pas bon ça, hein, c'est pas bon. Hein. Pourtant ça rime. Bon, étouffez l'affaire, étouffez, je m'égourais, c'est une autre, étouffez l'affaire, étouffez. Mais il n'empêche que c'est vrai, les chanteurs actuels sont tristes. Vous avez vu la gueule qu'ils font quand ils arrivent à la télé? Le type qui sort de sa journée de boulot qu'on a jusque-là, il pense qu'à un truc, c'est rentrer chez lui, voir sa femme, ses gamins, mettre les pieds sous la table et regarder la télé en famille. Alors il prend le programme de la télé, il se dit, alors qu'est-ce qu'on va se faire ce soir? Chérie, on est quel jour? Mercredi? Ah, TF1, 20h30, eh ben. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bien. Merci de votre fidélité à TF1. Bienvenue à cette soirée. Et nous commençons sans plus attendre cette nouvelle édition. Comment ça va? On accueille un tout nouveau chanteur qui débute ce soir sa carrière à la télévision. Il s'appelle Makouya Cheval et va vous interpréter. Viens chez moi, j'ai du nougat. On l'applaudit. Alors, le chanteur, il arrive, on le met dans un rond de lumière. Murzo, fais-moi un rond de lumière par terre, s'il te plaît. Il n'a pas fumé le rond. Alors, le chanteur, il est là et il s'emmerde. T'as l'impression qu'il vient de payer des impôts, qu'on y a piqué la bagnole et qu'il est cocu, le mec, tellement il est jugé. Il est là, il est triste, le pauvre. Ah ben oui, non mais à la télé, on n'est pas au courant de tout, hein, tu rigoles, les cadreurs, ils filment là, puis le reste, tu te démerdes, on est au courant de rien, ouais. Alors, le chanteur, il est là, et alors, c'est vrai, les chansons mélancoliques, appelées slow, c'est tout le temps, c'est toutes les mêmes, c'est tout le temps la même chose. Ah, ma chérie, tu es partie, et depuis, je vois bien que tu n'es plus là. Mais quand tu étais là, je ne me rendais pas compte de ton absence. Ils ont tous des problèmes avec les filles qui se taillent. Mais je les comprends, moi, les filles, qu'elles se taillent. Elles viennent aussi, elles se taillent, d'ailleurs. Mais c'est vrai, les chanteurs sont tristes, les chansons aussi. Sylvie, tu es partie, et depuis toutes les nuits, mon lit est vide, comme ce puits sans fond, où tous les soirs, je tombe inexorablement vers le bas. Mon Dieu, si tu savais, putain, comment c'est bas. Est-ce qu'un jour, il y aura un chanteur qui va nous renverser la vapeur, inverser les rôles? J'aimerais entendre une fille arriver et dire « Robert, il suffit, je vais te quitter, je m'ennuie à tes côtés. » Oh ! Ah ben Suzanne, ça tombe bien. Tiens, voilà les valises. Tu prends le poisson rouge, voilà ta raquette, tu rentres chez ta mère et tu te casses. J'aimerais entendre un slow comme ça. Un peu sur une musique de ce style-là. S'il y avait quelqu'un qui pouvait écrire des paroles qui donnent à peu près... J'en avais plein la vue des kilos superflus. Des vieux seins qui s'abaissent me plongent dans la détresse. Je veux aller prendre mon croissant au café du coin. J'ai plus besoin de toi pour promener le chien le matin. Sitôt j'ai plus ton parfum dans le nez, je commence à respirer. Vas-y, casse-toi. Oh, bats-toi. Épargne-moi et promets-moi que tu ne reviendras pas. Là, je rajouterai du saxophone. Range ton téléphone aux objets trouvés. Remballe ta culotte de cheval, ta gueule de ravagée. J'ai jamais pu saquer ta cuisine pour la thé. T'ingurgites n'importe quoi, tu vas bientôt éclater. Tu pues tellement ta gueule que des fois le matin,
t'es touché et m'assassiner, mais ma vieille s'est ratée. Vas-y, 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 casse-toi. Parlez entre vous. On se voit après, passeuse. Hein? Bon, ça se conduit comme une mobilette, ça. Bon, et puis je vais vous dire, pour mettre un terme final à toutes ces conneries, c'est pas parce qu'on a un message à nous que des textes ou on est un vrai chanteur, personne ne me contredira. Mais entre nous soit dit, le vrai chanteur, on le reconnaît à la voix. Un vrai chanteur, il a une voix. Ou un micro. Là, il y a des chanteurs, c'est bien d'acheter un micro puis de se le greffer. Hein, il y a des chanteurs comme Beko, Aznavour, Lama, Bray, Trainé, tous ces gens-là, tu leur enlèves le micro, ils chantent a cappella! En ce quatrième jeudi de la Pentecôte, et sous la coupole du Théâtre de Paris, nous sommes réunis afin de prier ensemble. On va avoir des galères à déconner avec la religion, Bob. Hein? Tu nous entraînes sur un chemin savonneux. Oui, ça te fait rire, mais bon, moi aussi. Hey, c'est vrai, eh ben, on parle de la voix. Les chanteurs de maintenant, non seulement ils n'ont pas de voix, mais en plus, si t'enlèves le micro, ils chantent encore. Je veux savoir la gueule qu'ils vont faire le jour où le public va les applaudir en playback. T'imagines un peu la remise des victoires de la musique? Bravo! Bravo! Quel talent! Quel talent! Quel métier! Une autre! Connard! Ouais, je vous dis, hein, le jour où une salle de spectacle va applaudir un artiste en playback, ça va changer la gueule du show business. Hein. Le plus dur, ça va être de trouver une salle de spectacle qui accepte de donner l'exemple. Chiche. Oh, ça va être un grand moment, ça. Et un grand bordel. Vous n'avez pas tort, mademoiselle. Je crois qu'on va suivre votre conseil. La demoiselle a raison. Pour éviter l'anarchie, je propose qu'on sépare la salle en trois parties. On commence à applaudir en playback avec les gens qui sont à l'orchestre. Puis à mon signal, on monte au premier balcon. Et à mon signal, on monte au deuxième balcon. OK? Il y a une ambiance. Bon, allez. Non, c'est une image, madame, quand je monte au balcon. Wow! Oh, elle prend le sac à main, il dit bien, René, il faut monter, là. Non! Qu'est-ce qu'elle a fumé, celle-là? Je sais pas. Non, je dis, il finit de fumer, puis on vous suit, on monte, on va monter. C'est ça, des fois, il y en a des lourds, là, il y a surcharge, hein, mon pote. Quand elle arrive là-haut, vous nous la renvoyez, hein. Non, par l'escalier, pas par là, il est con, lui. Tiens, la voilà! Allez, on commence avec l'orchestre. Alors, attention, à l'orchestre, vous levez les mains. Allez-y, levez les mains. Les mecs, ils disent, ça y est, il y a la vidéo. Là, demain, mon patron a ma photo sur le bureau. Il en... Levez les mains. Dans les loges aussi, là-bas. Levez les mains. Le mec, il dit, oh, ben non, pas moi. Hein. Vous allez sortir les mains du sac de la dame parce que ça fait 20 minutes qu'on vous voit fouiller. Ouais, avec moi, l'autre, hein. Évidemment, la dame, on l'est pas prévenue. Elle fait ta gueule. Ah, la dame, vous pouvez pas tout faire non plus, hein. Attention, ensemble, en rythme et en playback. 3, 4 et 1, 2. En playback! Qui c'est qui a mis les Belges devant?
C'est toi qui as mis tes copains ou quoi, là? Allez, on reprend. Arbaille. On va y passer la nuit, mais on va y arriver, hein? Préparez-vous là-haut, j'arrive. Attention, ensemble, en rythme, en playback. Oh, je dis, ouais, les deux, là. Ensemble, en rythme, en playback. 3, 4 et 1, 2, 1. Ah, oh, il y a un Suisse allemand en plus, là, je sais pas où il est. Le premier balcon, vous enchaînez et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le deuxième balcon, et tout et 1, 2. Voilà. Tous ensemble, on va faire une autre. Eh bien, croyez-moi, les amis, je vous le dis du fond du cœur. Le jour où une salle de spectacle va applaudir un artiste en playback, croyez-moi, l'artiste aura l'air con. Et vous aussi. Évidemment, il y aura toujours un journaliste pompeusement appelé critique qui viendra voir et qui me dira « La gare, j'ai vu votre spectacle et comme toujours, vous m'avez déçu. Vous vous moquez, vous êtes méchant. » Eh ben ouais! Parfaitement, je me moque et je suis méchant. Parce que si, c'est ça avoir du talent. Mais dans le théâtre, ce soir, il y a 500 chanteurs. Tiens, je vous le prouve. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons faire une chorale. Oui, là, ça va être la chorale des chanteurs à la gueule de bois ce soir. Hein. Je vais prendre un micro déjà, c'est important ça. Donnez-moi un micro. Ah oui, oh, c'est drôle ça. T'as rien trouvé d'autre comme connerie à faire. Ah, moi ça. Tu t'ennuies dans le fond alors. Tu sais, Frédéric, il est dans la vie parfois certains moments importants qui s'arrêtent soudain pour faire place à l'éternité. Je pense qu'il serait bon que tu utilises ce laps de temps afin de méditer sur cette fameuse phrase qu'un jour il m'est venu à te dire. Souviens-toi, lorsque je t'ai dit ça, c'était l'aurore du printemps. Cette phrase portait deux mots. Je t'ai dit, t'es con. Ah, des fois, faut leur dire, hein, mec. Bon, alors. Jean-Jacques, le micro ne marche pas. Hein? Quoi, si t'as bien de microphono? Mais non, t'as pas bien de microphono. Mais non, le microphono non fonctionna. Ah oui, après je vous explique un truc. C'est que le mec que vous entendez, il s'appelle Juan Jaco Terrones. Si, et vient de Madrid, si ou non. Le micro il marche pas, l'autre il fait si il fonctionne, le microphone il fonctionne, ne te préoccupe pas, il marche pas, et si il fonctionne, le microphone il fonctionne pas, il marche pas. Vous... Hey. Parce que quand je vais gueuler dans le cornet, si c'est une moumoute, ça va se voir tout de suite. Ça va, ça tient. À Jean-Bois d'autre, on peut gueuler, ça changera plus grand-chose, hein. On en a un bien, là. Vivi, au quatrième rang, fais-moi un gros plan sur le monsieur, là. On en a un bout. On en a un bout. Permettez-moi de vous dire, monsieur, que l'arrêt au milieu vous va particulièrement bien. Bienvenue au club. Ben, rigolez pas, c'est sa femme qui a fait une blague et il a mis le shampoing à côté du désert. Bon, il s'est gouré, dis-le. Au début, il avait dit, moi, je sors pas décapotable, hein, là-bas. Oui, on pouvait rire, mais on voit l'étiquette de la perruque, c'est pas mieux, je vais vous dire, hein, là-bas. Non, je plaisante toujours avec des gens que j'aime bien, hein. Vous voyez, lui, je lui ai rien dit, hein, faut pas non plus... Non, je déconne, hein, je déconne. Puis quand on voit... On regarde chez le voisin si l'herbe est plus verte, mais enfin, quand on voit le sac à foin qu'on a chez nous... Remarquez, mon père, lui, il a une excuse, hein, parce qu'il y a 20 ans, il était rocker. Mon père, il y a 20 ans, il était rocker. Ah, oh, il avait une banane, là. Ouh. Bah, maintenant, il n'y a plus que la peau, hein. Vous avez vu comme parfois, il suffit de prendre une personne à partie pour faire rire toute la salle. C'est dégueulasse. Regardez, je vais m'en faire un autre. Eh, hey, ceux de derrière et d'en haut, regardez la tête des trois premiers rangs quand je passe. Ah, vous seriez devant et en dessous, vous verriez les bouches qui font...
Ça y est, il est parti, il est parti. Là, au quatrième rang, on en a un bien, là, mais enfin, je vais pas me moquer de lui, parce que... Oula, lâche. Ah, c'est ce qu'on appelle une belle plante, hein. Bon. Ah, il y a un moment qu'il est planté, il déborde du pot, mais enfin, quand même, une belle plante, là, mais ça... Là, je déconne, hein, je déconne, hein, le... C'est votre père, jeune homme? Non, madame, c'est votre époux? Ben, achetez-lui un bac Riviera, parce qu'il va péter le pot, là. Quel monde... Il se salaud, va. Moqueur. Bon, allez, il faudrait qu'on fasse une ambiance de concert. On va imaginer une seconde qu'on est à Bercy. Faites un effort d'imagination et de 1000, on se retrouve à 15 000. Une voix sort des haut-parleurs et vous dit... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue ce soir à Bercy. Non, non, ça, c'est la chance aux chansons, vous voyez, c'est pas... C'est bien, mais c'est pas ça, hein, et... Faut que... So, ladies and gentlemen, welcome tonight to Bercy! Super! Bon, Martial, c'est à toi de démarrer, là. Il faudrait que tu nous fasses un truc qui patate bien qu'est la pêche, tu vois. Un truc entraînement rythmé, un truc qui bouge, qui déménage, tu vois. Arrête! 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 Fatigué ou quoi, Pépère? Il a les fils qui se touchent ou quoi, là? Quand à un moment, tu lui expliques que le thé à la menthe, ça se boit, ça se fume pas, hein. Ah, moi, l'autre, il me revient, mais... Oh, il a bien compris, hein. Tout le monde m'a dit, nous m'a l'air, qu'il m'a dit, tout le monde 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 m'a dit, tout le Non, non, n'excitez pas, n'excitez pas. La semaine dernière, il était énervé, il s'est jeté dans le public, il a mordu une vieille dame, on est en merde. Et j'en dis, mais il est con, hein. Tiens. Je te promets, si tu me bouffes un doigt, t'es viré, hein. Martial, sois sympa, on te demande de faire un truc qui emmène les gens dans l'ambiance, qu'on puisse jouer avec toi, égoïste. Fais-nous un truc qui fasse. Voilà, comme ça, lui, il peut jouer. Allons-y, messieurs. Qu'est-ce qu'elles me font, les deux, là? Le ping-pong, c'est face à face, c'est pas côte à côte, hein.
ensemble. On commence par marquer le rythme en tapant bien dans les mains tous ensemble. Quoi? À 3, on arrête le son, les lumières, et il faut que ça parte dans un délire d'applaudissements, de sifflements et de tapements de pieds comme si c'était un vrai concert à Bercy. Alors attention, 1, 2, 3, allez! Thank you.
Thank you.
mais de l'huile. Messieurs, j'ai une bien pénible et une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous arrivons au terme de ce spectacle. Oh. On va le faire plus spontané. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une bien mauvaise nouvelle m'amène. Nous arrivons au terme de ce spectacle. Oh. Mais il nous reste une dernière partie. Oh. Qui sera la dernière. Oh. Et même si elle est de qualité, il nous faudra par la suite nous quitter. Oh. On est con. Ah. On est moins emballés là tout de suite, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi, avant de vous quitter, vous raconter, vous narrer l'histoire de la plus grande dame du show business international que personne, je dis bien personne, n'a jamais connue. L'histoire de cette comédienne américaine. L'histoire est racontée en anglais, nous l'avons traduite pour les besoins de la soirée. L'histoire de cette femme qui vivait aux États-Unis, que l'on appelait Georgia, en français Georgette, était une femme d'un caractère doux, très doux, sweet, sweetie. Elle était munie d'une longue chevelure brune, brown, et en l'été 1917, au large de Bandol, elle fut victime d'un terrible accident de pédalo où la jambe droite s'entortilla à l'envers autour du pédalier. Par une nerf déchaînée de force 7, on dut l'amputer à hauteur du coude. Et on lui greffa le bout du flotteur du pédalo, c'est-à-dire un moignon. Qui à l'époque était en bois. Malheureusement, la saison continuant son chemin, le soleil tapant, le sel rongeant, l'humidité faisant son ouvrage, le bois était rongé, bouffé par la vermine. Elle avait pris du jeu, la Georgette. Au contraire, l'hiver, le bois s'était rétracté, il avait durci, le froid l'avait fait éclater. On avait mis par en dessous des rondelles de caoutchouc. Rien n'y fit. Elle était bancale, douce Georgette Brune. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici l'authentique histoire de Sweet George Brown. Hey! Notre joueur de banjo et notre guitariste
l'artiste s'appelle Alain Cadieu. Notre clavier synthétiseur, mon ami Bob. Louis Torres dit Loulou. Notre violoniste trompettiste papa dit la guitoune. Ouais. Toute l'équipe technique de ce théâtre, en commençant par l'équipe du théâtre de Paris, avec au fond notre sonorisateur Bernard Perrichon. Sur scène et derrière nous, Jean-Jacques Perrones, assisté de Christian Martin. Les lumières sont d'une conception de Vincent Murzeau, assisté à la poursuite de Yves Laurent Di Titi. Et notre directeur technique n'est autre que notre régisseur, mon beau-frère Frédéric. Et on ne verra pas non plus les femmes de ce spectacle, en commençant par celle qui m'habille et qui me déshabille, la plus grande des grandes, Bichon. Les danseuses de ce spectacle, en commençant par Lynn, Jemila, Rosangela et Aline. Et les choristes de ce spectacle, celles qui me tiennent et qui me poussent, les sœurs jumelles, Anne, Sophie, Sophie et Anne. La petite chambre noire.
foutu avec la lumière, ces cons-là, là, à moi, ça. On y voit comme dans le trou de balle d'un aigle là-dedans, voilà. Une autre, deux. Ah, il y a quelqu'un, là, ça bouge, là. Monsieur! Monsieur! Je cherche les Ouattés. C'est pas là? Ben oui, ça, je vois bien, c'est pas là. En sortant, à gauche. Mettre bien aimable. Sortant, à gauche. C'est occupé. C'est pas les water, ça. Non, c'est pas les water, ça. Ou alors ça va changer. Parce que de mon temps, les water, ils les mettaient côte à côte. Regarde donc, ils les empilent maintenant, là. Qu'est-ce que t'as à faire là-dedans, là? À moi, ça, ils sont au moins 6 dans le même shot là-dedans, là. Puis là, t'ont tout mis dans le même sac, là, les femmes, les hommes, les mômes, deux, bordel, nous, deux. Alors, après les transports en commun, ils nous ont fait les chiottes en commun. Bah, mon poulot. Si ceux d'en haut tirent la chasse avant ceux d'en bas. Non, c'est pas les Ouattés, ça. Mais non, Guetto, c'est pas les Ouattés. Je suis Suzanne. Je suis Suzanne. Ah, si vous m'attendez à ça, Guetto, je suis Suzanne. Ah, ben ouais, je vous reconnais, là, c'est là. Alors, c'est devenu voir la gaffe. C'est bien qu'est-ce qu'il fait, hein? Hein? Hein, c'est bien qu'est-ce qu'il fait. C'est la première fois que vous souvenez. Ah, c'est bien, c'est bien. Et vous le connaissez, la gaffe? Enfin, je veux dire, en dehors du pestaque et de la bénédiction. Hein? Moi, je le connais bien, moi. Moi, je connais parce que tous les soirs qu'il est là, je suis là. Puis il y en a qui croient qu'ils le connaissent, alors ils imaginent des trucs qu'ils le sachent, puis finalement, la vérité, quand on leur raconte, c'est même pas ça la vérité qu'ils pensent qu'ils sachent. Ah! Parce qu'il y en a qui croient que le métier, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, c'est pour l'argent. Mais c'est une connerie, ça. C'est une connerie. Lui, le pognon, il s'en fout. Tant qu'il en a. Parce qu'il y a les mauvaises langues, ceux qui croient que si c'est pas pour le pognon, c'est pour la gloire. Mais c'est une connerie, ça, la gloire, il s'en fout. Et c'est vrai, ça, la gloire, il s'en fout. Parce que d'ailleurs, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est la gloire? Du succès. Ouais, endors-toi. La gloire, si on réfléchit bien, on l'a pas, puis on l'a, puis on l'a plus. Hein? Non, j'ai dit la gloire, on l'a pas, puis on l'a, puis on l'a plus. Ouais. Faudra la recharger en rentrant, hein, parce que là, elle a fermé, là, il n'y a plus rien, là. Déjà, l'avoir sortie dans cet état-là, c'est bien, c'est du courage, hein, mais... Faut pas aller plus loin, parce qu'après, vous la vendrez plus, hein, pour un enfer, hein. Moi, je vais vous dire, moi les gens, ils ne le savent pas, mais il fait ce métier, c'est pour l'amour du public. C'est pour l'amour du public, il n'y a que ça qui compte. D'ailleurs, on ne voit pas bien, on ne voit pas, parce que avec les lumières, on a l'impression qu'on prend l'autoroute à contresens. Ah, ouais, ouais. Oh, ben, il y a du monde, hein, de Dieu. Hein, pour là-bas. Oui, 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 pour là-bas. Moi. Oui, vous. Vous êtes où? Là, dans le fond. Où? Dans le fond. Dans le fion. Dans le fond. Ah ouais, où va? Vous venez pour quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, au début, j'étais venu pour les... Puis comme c'est occupé, ben, je discute avec une copine. Votre nom? Je vous demande pardon. Votre nom? Vous avez demandé votre nom pour aller aux chiottes? T'as donné ton nom, toi, pour aller au goguenot? Qu'est-ce qu'il m'emmerde à moi, alors?
Je m'appelle Marcel. Marcel comment? Ben, m'appelle Marcel du Bisou, je suis le premier du nom. Vous venez pour l'audition? L'addition? L'audition. Ah, l'audition. T'es au courant qu'il y avait une audition, toi? T'as passé l'audition, toi? Ça s'est bien passé? C'était facile? Oh, bah, ben, je vois l'affaire aussi, moi. Ouais, je veux bien faire une petite audition, moi. Avez-vous préparé quelque chose? J'ai bien quelque chose de prêt, mais c'est pas pour faire là, hein. Bon, allez, c'est parti, Marcel, on vous écoute. Je veux bien, mais ça va gueuler, hein. Dites, on pourrait pas faire plutôt une chanson? Une chanson, évidemment, monsieur du Bisou. Ah ben, évidemment, monsieur du Bisou. Vive le vent, vive le vent d'hiver, la neige joue de l'eau, et bonne année grand-mère. Vive le vent, vive le vent d'hiver, la neige joue de l'eau, et bonne année mes mères. Marcel, vive le vent, Marcel, vive le vent, vive le vent. Marcel, oui, pas fini. Tu peux saisonner. Qu'est-ce qu'on en a pété? Est-ce que vous avez autre chose? Ah oui, j'en ai deux, je vais vous faire l'autre. Vous êtes encore là? Ah oui, évidemment, Marcel, on vous écoute. Ben, vous barrez pas, hein. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, et brise au pied. Marcel, Marcel, oui. Je permets de vous arrêter. Ben, je vois. Je ne vous sens pas très à l'aise. Bah ben, oui, t'as... j'ai un peu l'impression que tout le monde me regarde, là. Enlevez votre veste, soyez à l'aise. Non, ça va. Enlevez votre veste. Oui, oui, voilà, voilà. Voilà, on y va, on y va. La prochaine fois, j'irai aux chiottes à la maison, moi. Mais con, mais... Moi qui venais faire un petit bisou, dis donc. Vous pouvez me garder ça deux minutes? C'est parce que je fais l'audition, là, et... Il suffit de me dire que le vestiaire est en face, hein, c'est pas la peine de... Vous pouvez me garder ça deux minutes parce que l'autre il n'a pas compris. J'ai compris. Décompactez-vous, décompactez-vous. Respirez à fond. Ça va là, je suis bien à l'aise là. Comme ils disent les autres, là, je suis bien à mon aise. Je suis bien à mon aise. Avant, je n'étais pas bien à mon aise, mais là, je suis bien à mon aise. Il faut pouvoir affronter toutes les situations. Enlevez votre pantalon. Ça va, j'affronte, j'affronte. Hein, le pantalon. C'est obligé. Ça va, j'ai compris. Salaud. Attention devant, une chaussure. Oh, pardon. Une deuxième chaussure. Pa 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 pa. Merde, le bébroque.
c'est rien, c'est rien. Là. Ils sont pas méchants, ils sont pas méchants. Là. Ah, pas peur, ah, pas peur. Là. Papa est là, papa est là. Là, oui, là. Il n'a pas l'habitude. Étoile des neiges. Très bien compris. Dites, moi je crois que j'ai très bien compris. Moi je crois que tout le monde il est là, rien que se fout de ma gueule. Parfaitement. J'ai pas de mal à venir ici, moi. Moi, monsieur, j'étais venu pour faire un petit pipi. Alors, je peux autant vous dire que j'ai ma dignité, moi. Alors, ça sera ça ou rien. Alors, c'est donc vrai, ça. Il m'avait prévenu au village quand j'ai dit je vous quitte. Je monte à la capitale, tenter ma chance dans le show business. Ils m'ont dit, attention mon gafounet, attention, dans ce métier, faut coucher. Ben si je dois cogner toute la salle, on n'est pas couché là. Alors c'est donc vrai ça. Le public maintenant, le côté poétique, côté artistique, côté fantastique, public s'en fout. Le public il vient, paye sa place, s'assoit, puis il attend. Il attend quoi? Du cul! T'as te calmé, toi, non? Alors, comme ça, ils veulent du... Je vous en donnais du cul, mon nom de Dieu. Ah, t'as payé pour en avoir, ben tu vas en avoir pour ton argent, je te le dis, moi. Bon, fermez les portes, qu'ils puissent pas se barrer! On va t'en donner, moi, de... Étoile des neiges, moto.